Docteur, infirmière, où est l'infirmière? Où est l'infirmière? Infirmière, infirmière, s'il vous plaît, venez. Mon mari est en train de mourir. Dépêchez-vous. Mon mari est en train de mourir. Venez, s'il vous plaît. Oh. Aidez-moi. Mais dépêchez-vous. S'il vous plaît. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Allez, 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 allez. Paraissez, paraissez, paraissez. Allez, allez, il est là, il est là. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Bébé, bébé, ça ira bien, ça ira, tu iras mieux. Bébé, ça ira. Maman! 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 Fais attention! Fais très attention! Je ne veux pas perdre mon mari! Allez, allez de ce côté! Docteur! Docteur! Mais qu'est-ce qu'il a? Calmez-vous, détendez-vous! Nous allons. Mon fils va bien! Répondez-moi, s'il vous plaît! Allez, ça va! S'il vous plaît, attendez ici, je vous en prie! Attendez ici, je reviens! Ne me touche surtout pas! Toi, assieds-toi là. Assieds-toi là. J'ai dit assieds-toi là. N'importe quoi. On saura ce qui va se passer. Que j'essaie de chercher mon fils sans toutefois le trouver. Je te donnerai une leçon dont tu t'en souviendras pendant toute ta vie. Pourquoi est-ce que vous le dites de ce calme? En quoi est-ce que cela vous concerne-t-il, hein? Est-ce que vous travaillez avec elle? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, il ira bien, d'accord? Foutez-le au camp de là. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... S'il vous plaît, qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Je vous en prie, dites-moi. Écoutez, madame, les résultats indiquent clairement que votre fils a été empoisonné. Empoisonné? Oh! Et comment, docteur? Où et quand? Mais je ne comprends pas. Écoutez, les résultats montrent qu'il a été empoisonné. Empoisonné? Mm-hmm. Ok. Dieu. Quelles sont ses chances? Quelles sont ses chances de survie? Eh bien, madame... la vérité est que nous,
Nous avons vraiment fait de notre mieux. Nous avons vraiment essayé. Monsieur, nous sommes arrivés. Vous l'avez pris en charge. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, nous l'avons perdu. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Nous l'avons perdu. Qui avez-vous perdu ? Calmez-vous, madame, calmez-vous. Mais... Allez, calmez-vous. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Mais il s'agit là de mon fils. Madame... Je vous parle de mon fils. S'il vous plaît, madame, calmez-vous. Nous l'avons perdu, c'est ça la vérité. Non ! Non ! Non ! Ressaisissez-vous, madame, calmez-vous, non. Je vous en prie, calmez-vous. J'ai dit non ! S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, madame, essayez de vous calmer. Allez, donc, allez, madame, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a un autre moyen. Il y a une autre chose à faire. Calmez-vous, laisse-moi, calmez-vous. Écoutez-moi. Nous l'avons perdu. Hey, attendez, attendez, attendez. Mais c'est quoi ça? Que crois-tu faire? Que crois-tu faire? Tu pleures. Après avoir tué tous les enfants dans ton ventre. Maintenant, c'est le tour de mon seul et unique fils. Mais qu'est-ce que je vais faire? Maman, tu as pris ma joie. Ma fierté. Le seul fils. Le seul. Mon seul fils à moi. Tu m'as tué. Maman, pourquoi dis-tu une chose pareille? Comment est-ce possible que j'ai tué mon pauvre mari? J'ai empoisonné mon mari. Comment est-ce que cela est même possible? Je l'aimais. C'est le seul que j'ai jamais aimé. Et je ne savais pas comment continuer. Je ne sais pas comment recommencer ma vie maintenant. Je ne pouvais pas le tuer, je ne pouvais même pas le blesser. Comment tu peux penser ça de moi? Je ne l'ai pas fait. Ferme-la. Tu tues pour aucune raison. Tu es une sorcière. Je l'ai su depuis le jour où tu es entrée dans cette maison. Tu es une sorcière. Tu es venue pour voler, pour tuer et détruire mon fils. Et tu as réussi. Non, si tu as réussi, oh! Félicitations! Non, si. Merci. Merci. Tu as réussi! Merci beaucoup. Merci. Hé, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce vrai? Est-ce vraiment arrivé? Oh, Grace, où est ton frère? Ainsi. Où est ton frère? Oh, elle l'a tué. Ainsi. Ainsi. J'espère que tu es contente maintenant. Tu es en train de jubiler, de célébrer. Tu l'as fait. Tu as réussi. Tu as tué mon frère. Nancy, merci. Oh. Grace. Merci. Grace, même toi. Si quelque chose arrive à ma mère, si la moindre chose arrive à ma mère, Nancy, je vais retirer la vie qui est en toi. Ah! Je vais retirer la vie qui est en toi, espèce non, de méchante. Non. Tu es tellement méchante, cruelle. Non, méchant. Pourquoi est-ce que vous m'accusez? Arrête de raconter des bêtises, s'il te plaît. Ferme-la. Est-ce que mon fils a fait quelque chose? Ferme-moi ta gueule. Arrête-moi ça, très vite. Tu l'as fermé. Ferme ta gueule. Où est cette fille? Voici l'une des choses que je n'aime pas du tout. Non, si on t'attendait le bruit. Maman, j'étais... Je n'ai pas besoin d'excuses venant de toi. Je n'en ai pas besoin. Simplement parce que je sais que tes lèvres sont remplies de mensonges. Tu nous as fait attendre exprès. Pourquoi? Maman, je suis désolée. Non, ne t'excuse pas. De toutes les façons, j'ai organisé cette réunion pour te parler...
Concernant l'enterrement de ton feu mari, mon fils. Ok. Est-ce que tu peux te lever de ce canapé et rester debout? Pourquoi est-ce que tu vas t'asseoir? Elle veut s'asseoir. Tu veux t'asseoir? Pour faire quoi? Nancy, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je suis en train de te parler de mon défunt fils. Et toi, tu veux t'asseoir. Pourquoi es-tu si Maman, cruelle? Maman, ne pleure pas, s'il pourquoi te es-tu plaît, si cruelle? Ça suffit. Je suis en train de te parler de la mort de mon fils et toi, tu veux t'asseoir. Animal cruel. Maman, ça suffit, ne pleure pas. Stupide fée. Oh mon Dieu, c'est tu vois ce que tu as causé. C'est tu veux ce que tu as causé. Mais... Oh mon Dieu. Nancy, en plus de tout ce que maman a dit, dorénavant, tu ne seras plus permis de toucher quoi que ce soit qui appartient à mon frère. Argent, voiture, objet de valeur, tu n'es plus permis de toucher quoi que ce soit. En plus, mais... je n'ai pas terminé, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Aussi, tu n'es pas permis de quitter cette maison. Peu importe la raison que tu as, sauf si je te l'ai permis. Merci. J'espère que tu comprends Merci. Ça. J'espère que tu as bien compris. Cette fille est terrible. De toutes les façons, je t'ai appelée pour te faire savoir que j'irai au village pour informer les anciens sur comment mon fils devrait être enterré. Je ne veux plus l'appeler ton mari parce que tu n'as aucun respect pour lui. Je veux leur faire savoir comment mon fils sera enterré. Ok. Mais avant ça, je pense que je vais appeler l'avocat. Oui, maman. Car il n'y a pas moyen qu'on fasse l'enterrement sans le corps. Que veux-tu contribuer, Nancy? Donc, tu as rien à dire. Maman, laisse-la. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Rien. Dégage. Qu'est-ce qui a poussé mon fils dans ça? Ah. Je ne sais même pas ce que mon frère a vu en cette fille. Je ne sais même pas ce qu'il a vu en elle. Allez, calme-toi, d'accord? Tout ira bien. Je sais ce que tu ressens. Allez, ça suffit. Calme-toi, ok? Au moins, je suis encore en vie, je suis ton oncle. Dieu aussi est en vie en train de veiller. D'accord? Tonto, tu ne comprends pas. Je comprends. Parfaitement. Je suis trop jeune pour traverser tout ça. Je comprends. Par où vais-je je commencer? Comprends ce que tu ressens. Nous n'avons même pas profité de notre mariage. Pourquoi? Pourquoi Allez, moi? C'est bon, calme-toi. Je t'ai dit de te calmer. Allez, calme-toi maintenant. Tout ira bien. Allez. Est-ce que tu m'entends? Ressaisis-toi. Ok. Est-ce que tu m'entends? Je vais essayer. C'est bon. Calme-toi, hein? Je sais ce que tu ressens, mais tout ira bien. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Eh bien, j'ai organisé cette réunion à l'honneur de mon défunt fils, décédé récemment. Maître, ça fait des jours que mon fils est décédé et je n'ai pas posé mes yeux sur lui. Peu importe. Je veux que vous partagiez ce qui est écrit dans ce testament. Lisez ce qui est écrit dans ce testament. Avant que nous puissions avancer avec d'autres choses. Madame, je vais être claire. Votre fils, de son vivant, a laissé une instruction sur laquelle personne ne devrait aller le voir à la morgue.
jusqu'au jour de son enterrement. Et il a également dit que ses frais d'hôpitaux et de la morgue devront être gérés par moi, et non pas par sa famille. Et son testament sera lu après ses obsèques. Avec après tout mon respect, jeune homme, mais je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. La personne dont nous sommes en train de parler là, c'est mon défunt fils. Je l'ai mis au monde. Mon fils est mort. Expliquez-moi c'est ça. Quel genre expliquez-moi ça très bien. Hein? Et c'est la même histoire que le corps. C'est quoi raconte. Tout ça? Ok. Quel genre de... Gardez le testament avec vous. Montrez-moi le corps de mon fils. Et laissez-moi l'enterrer. Gardez le testament. Je veux voir mon fils. En fait, quel genre de... De stupide instruction suivez-vous? Comment est-ce que vous pouvez refuser à une mère l'accès au corps de son défunt fils? C'est quoi tout ça? Mais qui fait ça? Ok, où et quand vous a-t-il donné cette instruction? Parce que je me rappelle très bien que nous l'avions amené à l'hôpital. C'est exactement. Et vous nous aviez annoncé bien que mon fils est mort. Depuis lors, ça a été d'une histoire à une bonne autre. Bonne question. Est-ce que c'était sur son lit de mort qu'il a écrit cette instruction? Ou est-ce qu'il avait aussi écrit cette histoire avant de mourir? Jeune homme, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Madame. Ou alors est-ce que vous êtes responsable de ce qui arrive à mon fils? On ne sait jamais, maman. Je veux savoir. En matière de droit, c'est extrêmement... Non. C'est pas une histoire de droit, monsieur l'avocat. C'est pas une histoire de droit. Ce que je suis en train de vous dire est que je veux voir le corps de mon fils. C'est tout. Est-ce que je vais enterrer un cercueil vide? Hein? Vous me parlez d'une histoire de droit. Une histoire de droit sur mon seul et unique enfant. Je vais vous coller un procès au... Je vais vous coller en procès avec le docteur. Oui. Je vais vous amener en justice et vous allez me dire ce qui est arrivé à mon fils. Pensez-vous que je suis une idiote? Vous me parlez de matière de Madame, droit. Arrêtez de m'appeler. Nous agissons juste sous instruction. Madame, je vais devoir partir. Si vous voulez pas, allez-vous-en. Vous voulez rester. Mais je vous préviens, vous n'allez pas m'apprécier. Vous n'allez du tout pas m'apprécier. Donnez-moi le corps de mon fils. Remettez-moi le corps de mon fils. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Et vous l'avez mis dans quelle morte? Je vais aller le chercher. Mais écoutez-moi les bêtises. Vous me parlez de matière de droit. Je vous ai demandé quelque chose. Je me demande bien. À qui faites-vous une faveur? Et toi? Pourquoi croises-tu les bras? Hein? N'as-tu pas entendu ce que nous sommes en train de dire? Donc toi, tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Maman. Parce que je sais très bien que tu soutiens. Exactement. C'est ce qu'elle fait. Tu es impliquée dans tout ça. Maman. Non, si tu es impliquée dans ça, tu es impliquée. Je suis en train de voir que tu as tout manigancé. Je suis en train de voir. Mais maman. Tu as tout manigancé. Comment se passe l'enterrement? Pour le moment, nous ne connaissons rien. Honnêtement, nous n'en savons rien. Nous n'avons même pas vu le corps. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Nous n'avons pas vu son corps. Comment pouvons-nous enterrer quelqu'un sans son je corps? Je n'ai jamais Ce vu. Ce n'est pas du tout possible. Comment ça? L'avocat et le docteur n'ont pas arrêté de donner de stupides excuses par-ci et par-là. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Alors... Quelle est la prochaine démarche concernant ces biens? Dis-moi, quelle est la prochaine démarche? Ma chère, jusqu'à présent, son testament n'a pas été lu. J'espère incroyable qu'il n'a pas légué tout ce que notre père a laissé pour nous à sa stupide femme. Ça ne peut pas être possible. Je l'espère. Parce que le ciel tombera. Fais-moi confiance. Je suis là pour toi. Nous allons nous battre. Vraiment? Mais je vais me battre. Pourquoi suis-je ici? Ma puce. Merci beaucoup, ma puce. Fais des recherches sur moi. Je me bats pour mes amis. Qu'en est-il de ta belle-sœur? La femme de ton frère? Elle... S'il te plaît, oublie celle-là. Celle-là. Est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Elle ne peut pas tomber enceinte. Tu te fous de moi? Non, elle ne peut pas tomber enceinte. Ça rend les choses je plus suis sûre et certaine que quand elle était jeune, elle a fait beaucoup d'avortements. Tu parles de celle qui est occupée à courir derrière les hommes? Oui, je te le dis. Tu devrais voir comment elle s'habille maintenant. On dirait qu'elle est contente que mon frère soit mort. Elle porte des vêtements sexy. Elle s'expose pour que tous les hommes l'admirent. Es-tu sérieuse? Oh non, oublie ça. Oublie ça. Waouh. Elle nous a montré son vrai visage maintenant. Si tu étais dans cette maison, alors je ne peux pas rester dans cette maison parce que je vais l'étrangler. Je vais le faire avec mes mains. J'ai tenté de le faire plusieurs fois, mais je me suis juste contrôlée. Tu dois te contrôler, comme ça tu ne vas pas tuer quelqu'un. Je t'assure, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. On va la battre. Nancy,
Je veux que tu arrêtes ce que tu es en train de faire en ce moment et que tu me réchauffes de l'eau. Grace, je suis très sûre qu'il y a plus de place sur cette cuisinière. Alors pourquoi ne pas utiliser un côté pour chauffer ton eau? Je vais prétendre que ce que tu viens tout juste de dire était une erreur. Ce n'est pas une erreur. Si tu veux de l'eau chaude, pourquoi est-ce que tu ne la chauffes pas toi-même? Jésus, comment oses-tu? La prochaine fois que je te donne un ordre, tu m'obéis. N'importe quoi. Tu es malade. Voilà. Êtes-vous au courant du mariage traditionnel de la fille de Madame Alex? Ouais. Et vas-tu assister? Ah, je ne peux pas le rater. J'aimerais bien assister à ce mariage. Nous serons toutes là. Je ne peux pas le rater. Évidemment. Elle a dit que le panier, c'est 35 000 naira. Ah, c'est trop petit pour moi. C'est abordable. C'est trop petit, hein? Maman. Maman. Grace, qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas cette mine sur ton visage. Maman. Tu peux très bien voir que j'étais en train de causer avec mes amis. Salue-les au moins, tu maman, les as pas salués. Maman, écoute, tu ne peux pas t'asseoir ici et ne rien faire alors que la maison de ton fils est Jésus. En feu. Calme-toi. Mais calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Calme-toi, tu es trop tendue. Je ne parle pas du feu physique, ok? Pas du feu physique. Tu m'as fait peur, ok? Si ce n'est pas le feu, qu'est-ce qui peut bien te mettre en rogne, hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec maman, toi? Tu m'as fait peur. C'est Nancy. Cette fille a recommencé. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Je ne supporte plus du tout ces bêtises dans cette maison. J'en ai jusque-là. Je n'en peux plus. Fais quelque chose pour ça et fais-le rapidement. Et que veux-tu que je fasse? Maman, je m'en fais d'ici. Tu vois? Je ne sais vraiment quoi faire. Tu vois? Ma fille n'a pas de paix dans sa propre maison. Je suis également mal à l'aise à cause de cette chose. Cette chose que mon fils a ramenée dans cette maison. C'est moins que rien. Elle n'apprécie même pas le fait qu'on l'ait amenée de nulle part dans un manoir pour pouvoir la nourrir. Je suis fatiguée d'elle. Ah. Tu vois, Gozi, c'est de ça que je te parlais. C'est de ça que je te parlais concernant cette affaire. S'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Fais quelque chose pour ça. C'est trop. Où était la femme de ton fils quand tu t'es battue pour cette propriété? Maintenant, elle est venue de nulle part pour récolter ce qu'elle n'a pas semé. Ne lui donne pas la paix. Mon ami, ne la laisse pas avoir la paix dans cette maison. Donne-lui chaud, chaud, chaud. Le feu pour le feu. Oui, c'est ce qu'elle mérite. De toutes les façons, vous savez très bien que je peux le faire. Ouais, nous te faisons confiance. Vous savez ce que je peux faire. Je vais lui rendre la vie impossible. Je vais le faire. Allô, ma puce, quoi de neuf? Ok, je suis à la maison. Non, 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 non. Je ne pense pas que
Nancy, où crois-tu aller habillée comme ça? Nous sommes en manque de provisions, alors j'ai décidé d'aller au marché pour en acheter. Bien sûr, je savais que tu n'as même pas honte. Regarde comment tu es habillée. Une femme dont le mari est encore couché à la morgue. Tout ce que tu trouves à faire, c'est de t'habiller de façon attirante, comme ça les hommes vont t'admirer. Laisse-moi te dire, si tu penses que tu vas causer des ennuis dans cette maison, ce ne sera pas avec la voiture de mon frère. N'importe quoi. Dégage! Grace! Grace, donne-moi la clé de la voiture. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Viens la chercher. Grace, donne-moi cette clé. Viens la chercher. Oui, je t'écoute. Non. J'ai commandé deux conteneurs. Je les attends. D'accord. Oui, entrez, je vous prie. S'il vous plaît, j'ai besoin de ça rapidement, d'accord? Non, ne me dites pas cela. Je te rappelle, d'accord? Merci. Bonjour, monsieur. Ouais. Bonjour. Oh. Frank! Non, si. C'est un mensonge. Non, si. Que fais-tu ici? Je suis venue pour un entretien et on m'a dit de venir voir le PDG. Attends. C'est toi le PDG? Oh, bien sûr. Dieu. Assieds-toi. Oh, mon... Tu es sérieux? Ça fait un bail. Où étais-tu? Juste là. En fait, je dirige l'entreprise. Wow. Oui, je veux dire, la dernière fois que je t'ai vue, c'est quand tu es allée pour ton examen. Ouais, après cela, je suis allée d'un état à un autre, tu comprends, pour une meilleure vie. Mais je suis de retour. Ravie de te revoir. je veux dire, tu es ravissante. Toi également. Merci. Alors, tu es venue pour... Ouais, je suis venue pour un entretien et j'étais censée rencontrer le... Oh, ça ne sert à rien. Tu as déjà le job, d'accord? Tu veux dire que tu ne vas pas le parcourir? Ça ne sert à rien. Je connais ton potentiel, je connais tes capacités, je sais ce que tu peux faire. Alors, tu es officiellement ma nouvelle gestionnaire. Ok, monsieur. Merci, monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Mes félicitations. Bienvenue. Wow. Nancy, je suis prêt à aller déjeuner. Veux-tu me rejoindre? Qui suis-je pour dire non à mon patron? Oui. Non, appelle-moi Franck. Oh. Allons-y. Oh, wow. Mon Dieu. Un instant, Lisa. D'accord, secrétaire. Je ne serai pas là pendant 2 à 3 heures. D'accord, n'oublie pas d'organiser cette réunion. D'accord. Ok. Non, si. Jésus. Wow. Elle n'est pas du tout mal. Mais qu'est-ce oui qu'il y a? Oh mon Dieu, pourquoi es-tu si contente?
Dis-moi de gagner à la loterie. Ma puce, c'est plus qu'une loterie. Oh. Je viens d'avoir un boulot. Oh mon Dieu, je suis tellement contente pour toi. Oh mon Dieu. Laisse tout ce que tu faisais à l'intérieur. À l'intérieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, j'ai déposé votre programme d'aujourd'hui sur votre table. Et monsieur Nelson a dit qu'il viendra vous voir à 11h. J'oubliais. Monsieur Amadi a dit qu'il attendait votre réponse par rapport au programme sur votre table. Je l'ai déjà déposé. Je sais. D'accord, monsieur. Nancy, pourquoi viens-tu au travail à cette heure? Je ne comprends pas. T'as pas vu l'heure ou quoi? Pourquoi as-tu un problème avec l'heure à laquelle je viens au travail? Alors qu'il est évident que le PDG n'a aucun problème avec cela. S'il te plaît, concentre-toi sur ton travail et laisse-moi tranquille. Nancy. Bonjour, monsieur. Comment va le boulot? Jusqu'ici, tout va bien. Je vois que tu es occupée. Ouais. Alors, ici, c'est pour les paiements et là, c'est pour les virements. Ok, je sais comment ça se passe. Je m'habitue déjà à ça. D'accord. Ok, alors, termine avec ton travail et retourne au bureau. D'accord, monsieur. Non, pas monsieur. Appelle-moi Franck. Bonjour, monsieur. D'accord, bienvenue. Monsieur, oui. Je ne peux pas vous appeler Franck. Je veux dire, vous êtes mon patron. J'insiste. Appelle-moi Franck. Je vais t'attendre dans mon bureau. D'accord, monsieur. Oh, désolé, Franck. Je vois. Ouais, entrez. Je pense que... C'est bon. Ok, bien. Franck, il y a quelque chose que j'aimerais que tu vois. Je parcourais ce dossier et j'ai trouvé des informations que je ne comprends pas vraiment. Et j'ai décidé de te le montrer. Lesquels? Les bénéfices de la taxe, les taxes non payées, les gains reçus. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment ça a été calculé, c'est perturbant. Ok, montre-moi les prochains. Il y a ceci, par exemple. Toutes ces entrées, les profits sur les taxes, les articles prison, les créanciers et la banque, les cartes de crédit, les actifs et les passifs. Désolé. Ok, je vais juste... ok, que disais-tu? C'est dossier... Alors, je vais les parcourir plus tard. Ok, compris. Ouais, je vais les parcourir. D'accord. Ok. Je ne t'ai jamais vue aussi contente avant. Wow. Copine. Raconte. Copine. J'ai hâte d'entendre. C'est finalement arrivé. Copine, qu'est-ce qui est arrivé? Allez, raconte. Eh bien. Vas-y, raconte.
J'ai apporté quelques dossiers dans son bureau. Et pendant que je lui montrais les difficultés que je rencontrais... Quoi? Meuf, dis quelque chose, dis quelque chose. Il m'a embrassée. Oh. Je te l'avais dit, je savais que ça allait arriver. Je sais. Je suis juste heureuse. Son nom en disant qu'il est mon boss, il est mon boss. Et oh, ça non. Mais je vous ai dit que je ne voulais pas précipiter les choses. Et... elle est venue à moi au bon moment. Oh mon Dieu, je suis tellement contente pour toi. Je sais. Oh mon Dieu. Copine, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il va faire sa demande? Est-ce qu'il va faire aussi... Ferme-la! Comment est-ce qu'il peut faire sa demande? Non, il n'a encore rien dit à propos. Mais seulement... Ça sera vraiment chaud. Son baiser, je suis impatiente. Monsieur, vous m'avez appelé. Secrétaire? Oui, monsieur. J'ai constaté que Nancy ne vient plus au travail depuis 3 jours. Est-ce que tu as de ses nouvelles? Monsieur, elle ne m'a pas encore appelé. Je ne sais pas. Elle ne t'a pas encore appelé? Oui, monsieur. Mais est-ce que tu as essayé de la joindre? Oui, monsieur, mais son numéro ne passe pas. Ok. Monsieur, s'il vous plaît, votre oncle a appelé il y a quelques heures déjà. Il dit qu'il essaye de vous joindre, mais votre numéro ne passe pas. Ok. Ne t'en fais pas, je vais l'appeler. D'accord, monsieur. Et une autre chose, secrétaire, s'il te plaît. J'ai besoin du CV de Nancy. Comme ça, je pourrai avoir son adresse de là. D'accord, monsieur. Apporte-le maintenant. Ok, monsieur. Quelque chose. Essaye de manger. Un instant. Essaye de manger. Fais un effort, s'il te plaît, j'arrive. Essaye d'avaler quelque chose, non? Je n'ai pas arrêté de lui dire ça, s'il mais te plaît. Elle ne veut pas m'écouter. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fong, je suis le patron de Nancy. Est-elle là? Ok, allez-y, entrez. Ma puce, t'as de la visite. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Ça fait 3 jours maintenant. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Je ne sais pas. Oh mon Dieu. Nancy. Oh, elle fait de la fièvre. Et elle a refusé de manger depuis le matin. Je ne sais pas ce qu'elle a. C'est sérieux. Et elle ne m'a pas dit qu'elle était malade. D'accord. Est-ce qu'elle a pris quelque chose? Pas encore. Pas de nourriture, rien? Non, rien d'accord, du tout. D'accord, s'il vous plaît, amenons-la à l'hôpital pour un meilleur traitement. D'accord. Et des médicaments, s'il vous plaît, d'accord? Nous allons vivre ensemble, d'accord? Cet endroit n'est pas confortable pour toi. Ce n'est pas confortable. Je ne peux pas te laisser vivre ici. Et contracter des infections et des maladies. Et tu t'attends à ce que je sois content? Alors que j'ai un endroit confortable où tu peux vivre.
Alors, après, dis juste tes affaires okay. et partons. Bébé, pourquoi n'attendons-nous pas jusqu'à ce qu'on se marie? Après le mariage, on pourra vivre ensemble. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que oui. J'aime ta santé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Et tu veux que je sois content? Toujours. Alors vis avec moi. S'il te plaît. Vous pensez que je blague? J'ai une bonne nouvelle. Ok. Ok. Eh bien, je vais aménager avec Franck dans sa maison familiale. Nous allons rester là-bas jusqu'après le mariage. Ensuite, nous aménagerons officiellement. Copine, attends. Copine, ce n'est pas une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ne le fais pas, s'il te plaît. Ne le fais pas. Qu'y a-t-il de mal? Il y a sa mère et sa sœur. Et tu veux aménager dans la maison familiale? Non. Ce n'est pas conseillé, s'il te plaît. Ne fais pas. Écoutez, je comprends toutes ces pensées sur la belle-mère et la... Mais c'est différent, écoutez. Copine. Vous savez que je passe les week-ends non, là-bas. Non, je n'y ai aucun problème. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Vivre dans la même maison avec ta belle-mère, c'est trop de stress et beaucoup de disputes. écoutez les filles. Je comprends cette affaire entre les belles-mères et les belles-filles. Mais mon cas est différent. Écoutez, copine, elle aime son fils. Et je suis très sûre qu'elle... Écoute-moi, ma grande sœur, toi, traverse un traumatisme maintenant. Ne fais jamais confiance à quelqu'un, même si vous vivez dans la même maison. Alors, que suggérez-vous? Qu'est-ce que je dois faire? Que suggérez-vous? Pourquoi ne le lui dis-tu pas? Peut-être après le mariage. Ou avant le mariage, acheter un appartement. Ouais. Ensuite, vous aménagez. Je pense que son idée est meilleure. Et c'est beaucoup mieux. Honnêtement. Est-ce nécessaire? Écoutez, ok. Je comprends ce que vous dites, belle-mère et tout le reste. Mais écoutez, elle-même. Et je pense qu'elle va bien. Oh là là, l'amour d'une mère. C'est tellement si beau. Tu ferais mieux de te méfier. Elles changent. Une fois que tu seras à l'intérieur, elles vont changer. Ne le fais pas. Nous t'aimons beaucoup. Ne le sais pas. N'importe quoi avec ta belle-mère. Parce que, au début... Tu ne peux rien voir. Quand il s'agira du mariage, tu verras la vérité. Tu verras. Alors, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Je veux te remercier d'avoir été mon soutien, pour ton amour, ton soutien, ton affection. Merci beaucoup. Je veux que tu saches que je n'aurais pas pu aller aussi loin sans toi dans ma vie. Merci de m'aimer comme tu le fais. Je t'aime tellement, bébé. Écoute, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Et je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Je n'arrête pas de penser à toi. À chaque fois que je me réveille et à chaque fois que je vais aller me coucher, tu es toujours dans ma tête. Je t'aime tellement, bébé. Je t'aime aussi. Écoute, je voudrais amener notre relation à une autre étape. Prochaine étape? Oui. Je t'aime tellement. Et alors... Excuse-moi. Ferme tes yeux, bébé, s'il te plaît. Ok. S'il te plaît. D'accord. Mes yeux sont fermés. Tu en es sûre? Oui, je ne vois rien. Est-ce que tu me vois? Non, je ne vois pas. Ok. Je suis nerveuse. Est-ce que tu fermes les yeux? Bébé, mes yeux sont fermés. Ouais. J'attends toujours. C'est bon, bébé. Tu peux ouvrir les yeux. Arrête! Je suis sérieux. Tu me fais une blague. Je suis sérieux. S'il te plaît. Bébé. Accepterais-tu de devenir ma femme? Oh mon Dieu. Et moi, le père de tes enfants à naître? Oh mon Dieu! Où est Chrissy? Oui? Waouh! Oui! Wow. Oui! Je vais t'épouser! Merci. Arrête! Tu m'as manqué, mon amour.
Bébé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec toi. Ok. Dis-moi, je suis tout oui. Bébé, je pense que... Je me dis qu'on devrait avoir notre propre maison vu la situation actuelle. C'est-à-dire le fait que ta mère ne se sente pas à l'aise avec moi ici à la maison. Ah, bébé. En fait, je t'ai déjà parlé de ce problème. Tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter. Ok, écoute, ma mère se comporte comme ça pour le moment. Mais avec le temps, elle apprendra à t'aimer. Elle va commencer à t'aimer. Si tu t'en vas de cette maison ici, ça aura l'air comme si tu l'évitais et que tu ne l'aimes pas. Non, mon cœur, bien sûr que non. Je l'aime, mais j'ai l'impression que ma présence l'énerve parfois. Non. C'est non, pourquoi voyons. J'ai pensé qu'il serait mieux de partir. Non, bébé, tu dois savoir que c'est comme ça en Afrique. Les mères africaines, c'est comme ça qu'elles se comportent, ok? C'est rien du tout. Comme je l'ai dit avant, il n'y a pas de souci. Et deuxièmement, tu sais que je dirige une affaire familiale. Donc, je ne peux pas juste quitter ma maison et aller dans une autre. Il y a beaucoup de choses en jeu. Ok? Mais je serai toujours là pour toi, d'accord? J'espère que tu comprends. Rien ne pourra t'arriver. Est-ce que tu me comprends? Je sais. Tu sais que je vais toujours te protéger. Ok, puisque tu le dis. Où sont-elles? Où sont tes amies? Elles sont toujours à l'intérieur. Je suis très sûre qu'elles sont là-dedans. Si tu le dis. Mais s'il te plaît, pense à ce que je t'ai dit. Tu es sûre de toi? J'en suis sûre. Ah, elle est là. Maman? Mon fils. Bonjour, madame. Maman. Bien, bien. Comment vas-tu? Je vais bien. Sois maman, bienvenue. Voici Nancy. C'est la femme avec qui je compte passer le reste de ma vie. Ah, passer le restant de ta vie aussi rapidement? Comment ça? Oui, maman. Bonjour, madame. Jeune dame, bonjour. Alors, jeune dame, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nancy Eze. Nancy? Madame? Nancy, n'as-tu pas un petit prénom par lequel je peux souvent t'appeler? Ok, elle s'appelle... Je ne t'ai rien demandé. Je sais très bien qu'elle connaît son nom. Je m'appelle Ada. Oui. Sois la bienvenue. Merci, madame. Tu peux t'asseoir. Merci. Voici ma mère, Ada. Ma... ravissante mère et ma sœur. Salut. Salut. Alors, ma chère, d'où est-ce que tu viens? Je viens de l'État d'Imo. Oui, de l'État d'Imo. Oui, c'est une Igbo. J'y suis déjà allée. Je connais beaucoup de personnes là-bas. Certaines personnes là-bas. Alors, où sont tes parents et que font-ils? Mes parents sont décédés. C'était feu, monsieur et madame Ezeokafor. Ezeokafor. Quand ils étaient en vie, ils étaient des fermiers de bonne réputation. Quoi? Des fermiers de bonne réputation? Oui. Oui. Ils étaient... Je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Y a-t-il quelque chose de réputé sur l'agriculture? Mais c'est bon, je suis sûre qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. Est-ce que c'était juste ça qu'ils faisaient ou alors ils faisaient autre chose qui leur rapportait de l'argent? Je sais, c'est... Non, bébé, ne dis pas ça. Écoute, c'est avec toi que je veux me marier. Et c'est toi que je vais épouser. Mais bébé, leur point de vue compte dans notre mariage. Je sais que ça compte, mais en fin de compte, c'est toujours toi que j'aime. C'est toujours avec toi que je vais être. Allez, bébé, calme-toi, d'accord? Écoute, je t'aime. Et c'est ce qui compte le plus. D'accord? Ok, je t'aime aussi. Arrête, maman. Arrête.
Bébé. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Ok, alors... Qui? Grand frère. Oui, Grace. Bonsoir. Grace, puis-je t'aider? Oui, j'aurais souhaité te dire un mot en privé. Tu aimerais me parler en privé? Oui. Ce qui veut dire? Est-ce que ma femme est une étrangère ou quoi? Hein? Dis ce que tu veux dire, je suis tout ouïe. De toute façon, vu que tu ne veux pas venir avec moi, pour que je puisse te parler, alors je vais le dire ici. J'ai besoin d'argent. Je dois acheter mon lait, refaire ma coiffure. J'ai besoin d'argent pour mes cosmétiques et tout le reste. Tu n'as pas honte de toi-même? Hein, Grace? Quel âge as-tu? Tu as 28 ans. Et tu me demandes de l'argent? À cet âge? Je dois t'acheter une crème, je dois t'acheter du savon. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Écoute, je n'ai pas d'argent, ok? Je n'ai aucun argent sur moi. Si tu as besoin d'argent, attends jusqu'à la semaine prochaine. Très bien, je t'enverrai un peu d'argent. Ok, alors donne-moi du compte familial. Même si c'est de la banque familiale, je n'ai pas d'argent. Écoute, si tu attends de l'argent venant de moi, si tu veux quelque chose de moi maintenant, c'est à partir de la semaine prochaine. J'ai investi mon argent dans une affaire qui me donnera du bénéfice dans quelques temps. Donc la semaine prochaine, je te donnerai de l'argent, mais maintenant, je n'ai rien. Alors, s'il te plaît, laisse-moi, je suis occupé avec ma femme. Gros frère, je suis en train de te demander de l'argent. Et tu me balances toutes les injures qui puissent exister. Maman et moi sommes devenus des moins que rien dans cette maison. Nous ne représentons plus rien pour toi. Tu es folle? Hein? Non, attends, tu n'as plus de respect? Bébé. Donc tu n'as plus de respect si je te jette maintenant? Maman va entendre ça? Je pense que papa doit aussi l'entendre. Idiote! Papa va l'entendre. S'il te plaît, bébé. Est-ce qu'elle est folle? S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Elle ose me demander de l'argent pour sa coiffure et son lait de toilette. Bébé, sors d'ici et va te marier comme toutes les femmes. Bébé. N'importe quoi. Peux-tu m'écouter? Ta colère n'était pas du tout nécessaire. C'est bon. Salut! Comment tu vas? Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je veux juste te dire... Est-ce que j'ai demandé ton aide? T'ai-je appelé? Est-ce que j'ai demandé ton aide? Attends, pourquoi parles-tu comme ça? Laisse-moi t'aider à faire la cuisine. Et je t'ai dit que je n'ai pas demandé ton aide. Veux-tu empoisonner ma nourriture? Non, tu veux m'empoisonner? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, s'il te plaît, garde-la pour toi-même. Garde-la pour toi-même, je n'en ai pas besoin. Hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des voix. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Demande à ta sœur. Grace. Quoi? J'ai demandé qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Ta copine a dit qu'elle voulait m'aider et j'ai dit que je n'en avais pas besoin. Est-ce obligé? C'est pour ça que tu hurles comme ça? Bébé. Regardez-la, madame, je me mêle de tout. Tu passes ton temps à te mêler des choses qui ne te concernent pas. N'importe quoi. Bébé, peux-tu m'écouter? S'il te plaît, écoute, tu dois te calmer. Je ne sais pas pourquoi ma sœur fait ça. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais tu dois te calmer. Je peux le gérer. Bébé, si tu peux les gérer, je ne peux pas les gérer. Je t'ai dit qu'il est évident qu'elle ne m'aime pas. Écoute, c'est à elle que je me marie. Tu es juste mon époux. Si elle n'approuve pas ce mariage, ça ne marchera jamais, pas. Jamais. Bébé, écoute, je te l'ai dit. Je peux le gérer, ok? Je peux les gérer. Chacune d'entre elles. Écoute, laisse-moi te dire ça ici et maintenant. Si ma mère et ma sœur n'approuvent pas mon mariage avec toi, alors je vais toujours me marier. Bien sûr, parce que c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je veux passer ma vie. Ok? Ok, très bien, bébé. Je sais, et tu sais que je t'aime aussi. Mais je dois partir d'ici à la première heure demain matin. Bébé,
pourquoi tu te comportes ici? Bébé, tu n'iras nulle part. Bébé, je ne supporte pas la pression. Laisse-moi te donner de l'espace pour leur non, parler. Non, bébé, ne parle pas comme si tu es déjà fatiguée. Non, je ne peux pas me fatiguer de toi. J'ai juste besoin d'espace. Règle les choses avec elle, ensuite je pourrai venir. Bébé, je ne supporte plus la pression. Bébé, je suis là. Bébé, s'il te plaît, exauce juste ce souhait. S'il te plaît, accompagne-moi demain. Demain? Oui. Bébé, reste. Et le week-end, je vais t'accompagner. Ce n'est pas possible, non. Non. Bébé, tu ne peux pas juste attendre aller demain, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, fais-le pour nous. Parle-leur. Je ne supporte plus la pression. S'il te plaît. Ah, il n'y a personne dans cette maison. Grace? Il n'y a-t-il personne ici? Maman! Oh, ma fille! Ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Je suis tellement fatiguée. Merci, mon amour. Alors, tout le monde va bien? Ils vont tous bien? Tout va bien, maman. Tout va très bien. Gloire à Dieu. Comment était ton voyage? Bien. J'espère que tu mangeais. Tu t'amusais. Maman. Tu prenais tes amuse-gueules. C'est là où le problème se pose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas croire que depuis que tu as quitté cette maison, depuis que tu es partie de cette maison, Nancy m'a pratiquement transformée en sa ménagère. C'est-à-dire, je faisais la lessive, je faisais le ménage, je faisais la cuisine, je faisais carrément tout dans cette maison. Es-tu sûre de ce que tu dis? Maman, je suis très sérieuse. Alors, qu'est-ce que Nancy faisait? Absolument rien. Elle ne faisait rien du tout. Nancy m'a transformée en ménagère dans ma propre maison. Elle m'a transformée en ménagère. Je n'arrive pas à le croire. Comment? Où était ton frère? Quand j'ai décidé de l'affronter, mon frère m'a giflé. Il a fait quoi? Maman, il m'a giflé. Ton frère t'a giflé? Ton frère t'a giflé? Maman, je ne crois pas ce que j'entends. Tu dois le croire. C'est ok. Amène mes sacs à l'intérieur et apporte-moi de l'eau à boire. Je suis de retour maintenant. D'accord. Apporte-moi de l'eau à boire, je veux me reposer un tout petit peu. D'accord, maman, sois la bienvenue. Ton frère t'a giflé à cause de Nancy, je ne comprends pas ça. Mais qu'est-ce que c'est? Apporte-moi de l'eau à boire, s'il te plaît, j'ai soif. Maman, qu'est-ce que tu veux manger? Maman, viens. N'essaye pas de me toucher. Maman? Reviens ici. Où est-ce que tu vas? C'est quoi ça? Où est-ce que tu vas? Tu veux tourner le dos à ma mère? C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu es nue? Tu es sortie à moitié nue? C'est ça ton vrai visage? Donc c'est ça ton vrai visage? Je suis partie juste pour quelques jours. Et voilà. Regarde-toi. La soi-disant femme de quelqu'un. Maintenant, dégage de ma présence. Nous parlerons plus tard. Regarde-la. Elle est à moitié nue. Elle est à moitié nue. Regarde-la. Hein? Maman, c'est quoi ton problème? Hein? Pourquoi tu la traites de cette façon? As-tu oublié que c'est ta belle-fille? T'a-t-elle charmée? Me charmer comment? Oui. Au point où tu ne peux même pas la reprocher lorsqu'elle fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Quoi? Cette fille est venue te saluer et tu l'as snobée. De toutes les façons, j'ai pas beaucoup de choses à te dire. Parce qu'à ce moment, je suis à 100% en colère contre toi. Alors, vas-y. Mon amour. Maman, tu as vu ça? Maintenant, je comprends ce que tu voulais me dire. Parce que je peux tout voir. J'ai oublié de te dire la sauce que j'ai cuisinée pour toi. Ce que je dois manger maintenant? Je t'assure, avec beaucoup de viande, maman, tu dois voir ces viandes très grosses. Je sais très bien ce que tu peux pas. J'ai cuisiné cette sauce spécialement pour toi. Nancy est allée à la cuisine et a tout mangé. Et après avoir fini de manger, elle est sortie à moitié. Tu l'as vu toi-même, n'est-ce pas? Tu as vu ce que je traverse dans cette maison. Il n'y a pas de souci, je suis de retour. Tout ça quand tu n'étais pas là. Je suis de retour. Je ne sais vraiment pas ce qui arrive à mon fils. Je ne sais pas, je ne vous connais pas comme un homme. Tu l'as vu toi-même, n'est-ce pas? Bébé. Ça suffit. Écoute. Tu dois arrêter de pleurer.
Non, c'est... Je t'aime. C'est avec toi que je veux passer tout le reste de ma vie. Tu es ma partenaire. Tu es ma femme. Bébé, tu dois être forte pour moi. S'il te plaît, tu dois être forte. Tu dois te battre pour ton mariage. Que veux-tu dire par me battre? Qui suis-je censée combattre? Est-ce ta mère ou ta sœur? Comment vais-je les combattre? La vérité est qu'elle ne m'aime pas. Elles ne m'ont jamais acceptée. Elles rendent ma vie ici. Je comprends. Misérable. Écoute, je comprends, ok? Ne dis pas ça. Je t'aime. Et c'est ce qui compte le plus. D'accord? Bébé, écoute, tu sais que je n'aime pas te voir pleurer. Non, c'est... Je t'aime. Maman, je dépose ma femme à l'agence. Je reviens tout de suite. Bye, maman. Prends soin de toi. J'y vais. À la prochaine. Je prends toujours soin de moi-même. Je le fais toujours. Ne peux-tu pas marcher sans arrêter sa main comme s'il s'agissait d'un enfant? Maman, elle est mon enfant. Allez, vas-y, dégage. Dégage avec tout ça. Dégage. Tu tiens sa main comme une personne incapable de marcher. Ah, Franck, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Tu as promis de rester à mes côtés. Tu as promis d'être toujours là pour moi. Pourquoi es-tu parti sans un mot? Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi? C'est quoi le problème? Que veux-tu? Pourquoi m'as-tu fait attendre? C'est pour ça que tu m'as appelé ici? Oui, il y a un problème. Problème? C'est quoi le problème? J'ai un retard. Tu as quoi? Un retard. Hey! Comment? Comment est-ce possible? Mais je suis enceinte. De qui? De toi. Moi? Bien sûr. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis pas ça, tu blagues. Comment est-ce que je peux blaguer? Comment es-tu tombée enceinte? Comment as-tu eu un retard? Hein? Ah, mais nous l'avons fait sans protection. Et alors? T'as pas aimé? N'as-tu pas aussi aimé? S'il te plaît, écoute, laisse-moi te dire. Je ne suis pas prêt pour cette grossesse. Écoute, je ne suis pas prêt à devenir père. Tu le sais, non? Hein? Tu sais tout. Il n'y a pas d'argent. Tout ceci est faux. Hey! Ah, Jerry, où vas-tu? Où je vais? J'étais quelque part avant que tu ne m'appelles. J'y vais comme ça là-bas. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais faire? Je te l'ai dit. Nous devons voir quoi faire. Ainsi, tous les gains seront sécurisés. D'accord? Fais-moi confiance, je te dis la vérité. Hein? Jusqu'à 7h, elle n'est toujours pas là. Regarde l'heure. 21h57. Elle n'est pas là. Envoie-lui un message. Je l'ai déjà fait. Eh bien, essaie de l'appeler alors. Je viens juste de l'appeler. Elle doit être très occupée. Ah ouais, c'est ça. Accorde-moi un instant. Désolée, je suis vraiment désolée.
Pourquoi as-tu mis si long? Je suis vraiment désolée. J'étais un peu occupée. Tu as été occupée et tu as oublié que nous avions un rendez-vous? Je suis désolée, s'il te plaît. Désolée. Alors, c'est quoi le contrat? 60-40. Hein? Ouais. Écoute, Jerry, j'ai apporté ce marché. J'ai apporté ce marché. C'est 50-50 ou rien du tout. Ok, s'il n'y a rien, pas de souci. Ouais, 60, pas de marché. 40, pas de marché. 50-50 ou pas de marché. Hé, attends. D'accord, 50-50. 50-50, c'est mieux. Ouais. Ah, 50-50, oh. D'accord. Joue ton rôle très bien et je jouerai le mien. 50-50. 50-50. Si tu veux faire cette mine, c'est 50-50. Ne le fais pas. Ouais, 50-50. Maintenant que tu es d'accord avec 50, ton bébé a envie de... Quel bébé? Le tien. Qu'est-ce qui me rassure que tu es enceinte? Que ce ne soit pas que tu... Quand tu le faisais, regarde. Dieu... Laisse-moi te dire, Blessing, que ça ne fasse pas partie d'un de tes jeux. Mais quel jeu? C'est un mensonge. C'est un don de Dieu et maintenant tu m'accuses. T'es sûre que t'es enceinte? Mais oui, je suis enceinte. S'il te plaît, barman, apporte du jus. Comment ça, le jus? Je ne veux pas du jus. Nous ne voulons pas du jus, en fait. Nous voulons du vin. Du vin? Ton bébé a besoin du vin. Apporte-lui du soda. Mais pourquoi te comportes-tu comme ça? Je ne te comprends pas. N'utilise pas cette grossesse pour me faire du chantage. Je ne suis pas prêt pour cette grossesse. Je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt. Nous faisons juste des affaires. Toi et moi, nous faisons juste des affaires. On le faisait, bébé, bébé. C'est bon, c'est bon. Tu ne te rappelles plus? Viens, viens, viens lui donner du vin. Maintenant tu pars. Jerry, Jerry. Mon bout de chou. Mais embrasse-moi. T'embrasser? Et wow. Avec tout ce que je vais dépenser, que moi, je t'embrasse? Alors tu ne vas pas m'embrasser, pour chérie? Pour 6 000? Tu boudes avec moi? C'est moi. Tu ne vas pas. Dégage. Je t'ai apporté là un marché. Et ce marché vaut des millions. Et tu te plains pour 6 000. La ferme. Apportez. Tu doutes de moi? J'espère que t'es vraiment enceinte. Ne joue pas avec moi. Je vais te tuer. Hey, Jerry. Nancy, je veux que tu laves ces vêtements pour moi. Assure-toi de te concentrer sur les aisselles, ok? Hey. Je ne comprends pas. En tant que qui? En tant que la ménagère que tu as engagée? Hein? Nancy, est-ce que je viens de t'entendre parler? Non, 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 non. Est-ce que tu as dit quelque chose? Ha, combien de fois t'ai-je demandé de ne plus remettre ma parole en question dans cette maison? Combien de fois? Tu me mets au défi, c'est ça? Tu me mets au défi. Grace, tu es une femme comme moi. Et un jour, très bientôt, tu vas te marier. Et quand tu seras mariée, tu seras traitée de la même façon que tu me traites. Voyons voir si tu vas aimer. J'aime ça comme ça. J'aime ça comme ça. Maintenant, lave ces vêtements. N'importe quoi. Bébé, bébé, s'il te plaît, je suis désolé, hein? S'il te plaît, je suis désolé, pardonne-moi. Jerry, je suis venue ici uniquement parce que tu m'as dit que tu étais mourant. Qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà, je suis désolé. C'est toi que j'aime. Si tu me laisses, je vais mourir. Hein? Tu sais que je t'aime. C'est toi que j'aime. Jerry, tu s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Non, je ne peux laisse-moi pas. Tranquille. Non, bébé, hein? S'il te plaît, bébé, s'il te plaît, je suis désolé, pardonne-moi. Jerry, non. Laisse-moi tranquille. Non. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Je suis désolée. Jerry, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu m'embarrasses? Pardonne-moi. Tu m'embarrasses. S'il te plaît. Ok, ok. C'est bon. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Je t'ai pardonné. T'es sûre?
J'en suis sûre. Je t'ai pardonné. Lève-toi, tu m'embarrasses. Bébé. Désolée, ok? Cette fille, je n'ai rien à voir avec elle. Je ne la connais même pas. Hein? Je ne connais pas cette fille. Écoute, je ne veux plus te voir tourner autour de ces filles, tu as compris? Je ne veux plus. Regarde. Je te jure, tu ne me verras plus jamais. Jamais. Encore près d'eux. Même plus mes voisines. Mes sœurs, tu ne me veux... Je t'assure. Mais je t'aime. Embrasse-moi. Vas-y, embrasse-moi. Viens là, hey. Idiot. Hey, mon gros bébé. Tu sais que je t'aime. Allez, viens avec moi. Je t'emmène quelque part t'acheter de bonnes choses. Oh. Les choses que t'aimes. Tu vois pourquoi je t'aime? Hein? Tu vois que c'est toi ou personne d'autre. Tu vois? Mon gros bébé. Quand tu deviendras ma femme, c'est juste je serai. Tu sais, je comprends très bien ton problème actuel. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce que tu m'as compris? Il faut vraiment être très patiente. C'est comme ça que les choses se déroulent. D'habitude, dans une famille, tu vois. C'est comme ça que les choses se déroulent dans une famille normale, typiquement africaine. Lorsqu'une jeune femme perd son mari, elle rencontre beaucoup de problèmes, surtout venant de la famille. Tonton, tu ne comprends pas. D'accord, ok. Le comportement de la maman est compréhensible. C'est son point de vue. Qu'en est-il de la belle-sœur qui est une femme comme moi et qui est censée comprendre que un jour, elle va se marier et si une telle chose lui arrivait, elle ne l'apprécierait pas. Mmh. Ok. Elles font de cette maison un enfer pour moi. Ok, continue de tenir bon. Et très bientôt, tout ceci sera terminé, tout redeviendra normal. Et ensuite, la vie normale continuera, ok? Tout va s'arranger, ne t'en fais pas. Surtout, ne regarde pas comment les choses se déroulent actuellement. Mon oncle, je suis vraiment fatiguée. Je sais, mais écoute-moi. Je suis fatiguée. Écoute-moi très bien. Ne t'en fais surtout pas pour cette maison. Je te l'ai dit. Reste là et oublie. Supporte tout et ce sera bientôt terminé. Ce n'est pas facile. Mon oncle, je ne peux rien faire là-bas. Je n'ai plus accès à quoi que ce soit. Je ne peux rien faire dans cette maison. Supporte juste. Je suis... Mon oncle, tu ne comprends pas. J'ai dû sortir en cachette pour venir te voir. C'est grave. C'est d'accord. C'est d'accord. Je viendrai les voir. Je viendrai le voir. Je l'espère. D'accord. Est-ce que tu comprends? J'en ai vraiment marre. Je n'ai aucune paix dans cette maison. Tout devient insupportable. Il n'y a aucun mot pour décrire cela. J'en ai vraiment marre. Je ne peux plus le supporter. D'accord. Ne t'en fais pas pour ça. Et comme je te l'ai dit, surtout, ne te décourage pas. D'accord? Alors, quand vas-tu t'occuper de nous? Bientôt. Bientôt? Ouais. D'accord. T'en fais pas, je le gère, d'accord. Grace, je veux te parler. et puis toi, jeune homme, tu n'as vraiment rien à faire. Qui pourrait t'occuper? Jacques, tu n'as pas de boulot. Tu préfères venir te pavaner dans la maison d'un autre homme. Ah! Comment oses-tu insulter mon copain devant moi? Tu es folle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vraiment? C'est la meilleure chose que tu puisses faire? Vas-y! Frappe-moi! Étrangle-moi si tu veux! Fais tout ce que tu as envie de faire! Vu que tu as transformé la maison de mon mari en un hôtel, fais ce que tu veux! C'est la maison de mon frère. Et je ferai ce que je veux! De la manière dont je le fais, ok? Blessing. N'importe blessing. Quoi, c'est quoi ces bêtises? Calme-toi, ok? Je ne peux pas rester ici bébé, là, regarde mes... S'il te plaît, non, calme-toi. Vas-y! Dégage d'ici! Calme-toi, bébé. Va-t'en et ne reviens pas. Bébé, s'il te plaît. Je reviens pour toi. Je reviens pour toi, bébé, s'il te plaît. Je suis désolée, je suis désolée. Ah oui, maman. Oui, ma puce. S'il te plaît, j'aurais besoin que tu me donnes 100 000 naira, s'il te plaît. 100 000 naira? Oui, maman. Grace. Maman. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette grosse somme d'argent? Maman.
Je te dis que j'ai besoin de 100 000 naira et tu me demandes pourquoi j'ai besoin de cette somme. Suis-je une enfant pour ne pas connaître la valeur de l'argent? Allez, ferme-moi ta bouche, s'il te plaît. Regarde-toi. Juste regarde-toi. Tu penses que je ne sais pas? Ok. Depuis que tu as commencé à travailler pour ton petit ami, as-tu déjà travaillé 100 000 naira pour tous les services que tu lui as déjà rendus, hein? Hein? Non, je t'ai posé une question, as-tu déjà gagné? Et maintenant, tu veux juste gaspiller 100 000 naira, juste pour rien. Maman, c'est une atteinte à ma personnalité. De toute façon, oublie ça. Vas-tu me les donner ou pas? Bien sûr que non. Va travailler, s'il te plaît, et gagne ton propre argent. Et arrête de gaspiller la fortune de ton frère. Va travailler. Peu importe. 100 000 naira. Penses-tu que je ne sais pas ce que tu veux faire? Le disais-tu au téléphone? Ah, je suis très intéressée. Copine, c'est pour ça que je suis ici. Dis-le-moi, s'il te Copine, plaît. Copine, cette affaire nécessite beaucoup d'investissement. Et en retour, tu gagneras 8 millions de naira de là. Hein? Ah, mais oui. Jésus. Tu sais que je ne fais pas n'importe quoi. J'ai entendu 8 millions de naira. Mais oui. 8 millions de naira. Voilà. Et tu me le dis juste maintenant? Ah, tu me le dis seulement maintenant. Laisse-moi tout te dire. Ah, c'est un gros deal. Raconte, raconte, s'il te plaît. Hey. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Honnêtement. Nous sommes en train de parler de 8 millions. Je n'ai absolument aucun argent à t'emprunter. T'es sérieuse là? Ce n'est pas ça. Tu sais que depuis que mon frère est mort, tout a complètement changé. Je n'ai plus du tout accès à l'argent. Je n'ai pas d'argent. Essaye de comprendre, s'il te plaît. D'accord donc, vu que tu ne peux pas, offre au moins quelque chose à ton ami. T'es juste là. Et il n'y a pas de problème de ce côté. Dis-moi, que veux-tu boire? Que puis-je t'offrir? Tu le sais, comme d'habitude. Tu connais ce que j'aime. Pas de soucis. S'il te plaît, dépêche-toi. Dépêche-toi. D'accord, pas de problème. Merci, ma chérie. Vraiment, tu m'as tellement manqué. Où étais-tu? T'es tellement ravissante, copine. Merci. Ça fait un bail, honnêtement. Où étais-tu? Ça fait un bail. Très longtemps. Après que notre amie se soit mariée, je n'ai pas arrêté de voyager et faire beaucoup de choses. Incroyable. Tu m'as tellement manqué. En fait, je suis venue acheter des soutifs. Tu en as dans ta boutique? Copine, il y a tout ici. Ne t'en fais pas tout ça. J'en suis sûre. Allons à l'intérieur, tu as beaucoup à voir. Allons voir. Pas de quoi. Je me suis vraiment amusée. Moi aussi, je me suis aussi amusée, ma chère. Je n'arrive toujours pas à croire, ma puce est vraiment jolie. Vraiment? T'es resplendissante. Je sais, ma chère. Je suis contente pour toi. Merci, ma chère. Alors, ma chère, as-tu les nouvelles de Nancy? Oh. Ma sœur, la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle se plaignait de sa belle-mère qui la maltraite. Comment on la maltraite à la maison? Après avoir perdu son mari, au lieu de la consoler. J'ai vraiment pitié d'elle. Alors qu'elles sont censées la consoler. Franchement, j'ai prévenu Nancy, je le lui avais dit. Je lui ai prévenu sur cette histoire de belle-mère. Mais voilà, elle n'a pas voulu écouter. Ok, peut-être un de ces jours, je vais m'assurer de lui rendre une visite. Ok. Je vais essayer, je vais m'assurer de lui rendre visite. Ok, ce sera une bien, visite. Ce sera bien. Passe-lui mon bonjour. Ma chère, je le ferai, je le ferai. De toute façon, je me suis dit aujourd'hui. Pas de quoi, mon ami. Merci beaucoup, ma chère. Pas de souci, vu que j'ai ton contact. Je vais m'assurer de venir dans ta boutique, tu sais, pour changer mes soucis. C'est quand tu veux et où tu veux. Merci, mon amour. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Bye. Bye.
Mon ami. Oui, ma chère. Comment tu t'en sors tout ce temps? Ma sœur, c'est un très grand choc pour moi. Je n'ai pas encore guéri. Et je ne pense pas que je vais guérir d'ici tôt. Je ne pourrai jamais le souhaiter à mon pire ennemi. C'est si douloureux. J'espère que tu manges au moins ça. Nourriture. La nourriture est le dernier de mes soucis. Mais ma fille... Ma fille ne peut pas me laisser sans manger. Elle est la raison pour laquelle je mange. Mon ami, as-tu planifié l'enterrement? L'enterrement? L'enterrement, tu as dit? Tu m'as demandé si je ne serais-ce que vu le corps de mon fils. Hey. Depuis que mon fils est mort, dans ces conditions, je n'ai pas vu son corps de mes yeux. Es-tu sérieuse? Le docteur ne cesse pas de me raconter une stupide histoire à une autre. Tu es brave. C'est fort. Et qu'en est-il de l'avocat? L'avocat. Ils racontent tous la même chose. Si j'appelle l'avocat pour lui demander, il dira qu'il doit causer avec le docteur. Et si je demande au docteur, il dira qu'il faut qu'il cause d'abord avec l'avocat. C'est ce que mon fils a dit avant de mourir. Alors, je suis juste comme... comme un esprit errant. Je suis juste comme ça, comme si je n'existais même plus. Comment vais-je enterrer mon fils sans que je ne voie son corps? Comment est-ce que je vais lui accorder le repos? Peux-tu imaginer ça? Peux-tu imaginer ça? Mon ami... Je suspecte quelque chose de louche. Je t'assure, tout ce que tu dois faire, c'est de convoquer le docteur et l'avocat pour une réunion. C'est la meilleure idée. Bonne idée. C'est une bonne idée. Et laisse-moi te dire... Tu dois à la maison et nous dire que tu n'as même pas vu le cadavre de ton fils. Détends-toi juste. Invite-les. Tu dois savoir exactement ce qui se passe. Oh Dieu! Je remercie Dieu de vous avoir... Désolée, ne pleure pas. C'est bon, c'est bon. Je remercie le Seigneur. Ne pleure pas, c'est bon. C'est bon. Invite le docteur et l'avocat. C'est la meilleure chose à faire. S'il te plaît, c'est bon, je ne pleure pas. Je pense que je vais le faire. Je vais les inviter tous les deux et leur donner... C'est justement ce que je vais faire. Je vais lui donner l'ultimatum de sortir le corps de mon fils. Oui. Ou alors, ils vont faire face à n'importe quelle conséquence. Très bien parlé. C'est mon fils. Oui. Mon unique fils. C'est mon seul fils. Mon seul et unique fils. Merci d'être des bonnes amies. Okay. Merci. À quoi bon, les amis? Arrête de pleurer. Pourquoi nous sommes amis? Arrête de pleurer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Écoute, c'est bon. C'est bon. Arrête de pleurer. C'est bon. Tout ira bien. Ma chère, je voudrais que tu donnes... N'est-ce pas la nourriture que j'ai cuisinée? Nancy. Qui t'a donné le toupet d'aller dans la cuisine et te servir la nourriture que j'ai cuisinée? Pourquoi? Grace. Tu sais que je ne me sens pas bien. Alors j'ai décidé de manger quelque chose afin de prendre mes médicaments. Tu ne sais pas à quel point tu es dégoûtante. Tu me dégoûtes. Je t'assure, maman. De voir me dégoûter tellement. Vraiment dégoûtante. Je déteste te voir ici. Pire encore, manger la nourriture que ma précieuse fille a eu à préparer. Ah. Tu veux manger et prendre tes médicaments?
Est-ce que tu ne peux pas simplement mourir? Tu devrais mourir. Ce sera mieux. Mais là, ce sera très facile que de manger et de boire les médicaments qui vont sans doute te tuer. Regardez la couler des larmes de crocodile. Qu'est-ce que c'est? J'ai juste... Tu es très stupide. Lève-toi de là. N'importe quoi. Je veux m'asseoir. J'ai dit que je veux m'asseoir. Dégage de là. Allez, va-t'en. J'ai dit dégage. Va-t'en d'ici. Regarde à quoi il ressemble. Stupide fille. Bien. Elle est juste dégoûtante. N'importe quoi. Petite sorcière. Animal. Fille stupide. Idiote. Comment une sorcière peut vivre chez quelqu'un? Hein? Le dieu des lits envoie le feu. Le feu. Le dieu des lits envoie le feu. Le dieu des lits envoie le feu. Toi, le dieu des lits envoie le feu. Le dieu de Eli envoie le feu. Dieu de Eli envoie le feu. Dieu de Eli. Dieu de Eli envoie le feu. Et dans quelle maison est-ce que tout ceci se passe, hein? Maman, Dieu merci, tu es rentrée. Dieu merci, tu es rentrée. Je suis venue avec cette prophétesse pour qu'elle puisse libérer cette famille. Tu connais Nancy, tu connais Nancy. Personne ne connaît sa prochaine démarche. Le feu. Qui t'a envoyé? Est-ce que je t'ai envoyé? Grace, t'ai-je envoyé? Tu ne réponds pas? Maman, c'est et pour toi, Dieu délivre mon Dieu. Envoie le feu. Enlève toutes ces bêtises que tu as posées sur cette table, hors de cette maison. Enlève ça de là. Parce que cette maison m'appartient et non toi. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être cachées à l'esprit. Tu femme, sais quoi, madame? Qu'avez-vous fait? Je n'ai rien fait du tout. Parce que si tu voyais très bien, tu aurais vu que je n'ai rien fait. Alors tu es fausse. Sors de chez moi. Tu racontes juste des choses qui n'ont pas de sens. Dieu d'Eli envoie le feu. Est-ce que tu connais Eli? Tu connais Eli? N'importe quoi. Et toi, retire toutes ces bougies que tu as posées sur la table et dégage de là. Je dis, dépêche-toi. Calme-toi. Grace, retire toutes ces choses. Et toi, va-t'en de là. Allez-vous-en toutes les deux. Dépêchez-vous. Retire toute cette stupide bougie. Dégage de là. Dégage. Allez-vous-en. Allez. Je ne veux plus jamais revoir ça ici. Allez, dégage. Dégage de là. Dieu d'Eli. Regarde là. Allez, dégage, je ne veux plus jamais te revoir ici dans ma maison. Où est-elle? Grace! Viens me libérer cette table. Elle est où? Dépêche-toi! Elle est où, Grace? Viens retirer toutes ces bêtises sous cette table. Allez, tu débordes les limites. Maman, va-t'en avec ça. Ce que tu fais. Je n'aime pas ça. Tu dépasses tes limites. Est-ce que tu sais ça? N'importe quoi. J'appelle quelqu'un pour venir. Je t'ai dit, je te comprends. Pourquoi pas Dieu de Moïse? Pourquoi pas Dieu de Moïse? Qu'est-ce qu'elle a? Bonjour, Madame Franck. Comment est-ce que vous allez, le reste de la famille? Je vais bien et tout le monde se porte bien. Oh, Dieu merci, Dieu merci. Docteur Jeff. Oui. Est-ce que vous me cachiez un quelconque secret? Un secret? Pourquoi cette question? Je ne comprends vraiment pas. Docteur, ça fait déjà un mois que mon mari est mort. Mais nous n'avons pas eu la possibilité de voir son corps. Ou nous ne savons même pas à quoi pourra ressembler l'enterrement. Aucun plan, rien du tout. Vous étiez le meilleur ami de mon mari. Sans doute, et oui. Je suis sa femme. S'il y a quelque chose que vous voulez que je sache, dites-le-moi juste. S'il y a quelque chose, dites-le-moi. Je devrais savoir. Écoutez, Madame Franck, essayez de vous calmer. Calmez-vous. Calmez-vous et essayez de vous ressaisir, d'accord? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Bonne nouvelle? Ouais. Eh bien, vous êtes enceinte de 6 semaines. Oui, mais s'il vous plaît, ne le dites absolument à personne jusqu'à l'enterrement de votre mari. Gardez ce secret, je vous en prie.
Ouais. D'accord, ressaisissez votre habit, je vous en prie. D'accord, reprenez votre souffle. Oui, Nancy? Mon oncle, je suis désolée d'avoir appelé en urgence. Ok, c'est bon. Il y a 3 jours, je suis allée à l'hôpital pour voir le docteur. Tu connais le docteur Jeff, mon... Oui. L'ami de mon mari. Oui, je le connais. Oui, j'ai dû me dépêcher pour aller le voir. Je ne me sentais pas bien et lui poser des questions concernant l'enterrement de mon mari. Okay. Ensuite, il a confirmé que je suis enceinte de 6 semaines. Est-ce que c'est vrai? Tu es enceinte? Nancy? Oui. Wow! Tu es sérieuse? Tu vois pourquoi je t'avais demandé de te calmer? Que Dieu ait envie! Maintenant, tu as quelque chose sur laquelle t'en tenir. Attends, mon oncle. Oui. S'il te plaît, mon oncle. Je ne veux pas que tu le dises à ma belle-mère ou qui que ce soit. C'est d'accord. Il m'a dit de ne dire à personne, mais je n'ai pas pu garder la bonne nouvelle juste pour moi. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler, alors je t'ai parlé de ça. Oh, je suis très content pour ça. D'accord, je vais garder le secret. Mais au moins, voici quelque chose sur laquelle je peux t'en tenir. Hein? Non, mais j'aime les choses comme ça. Et en plus, je t'ai dit que Dieu n'allait jamais nous décevoir. Oui, je suis content pour toi, ma chérie. Donc, calme-toi et sois posé jusqu'à ce que Dieu arrange les choses, ok? Et qu'est-ce qu'il a dit sur l'enterrement? Mon oncle. La même vieille histoire. De ne pas relâcher le corps jusqu'au jour de l'enterrement. Je demande à voir le corps. Le docteur a dit que mon mari, avant de mourir, a instruit que personne ne soit autorisé à voir son corps. Ça, ma belle-mère est en train de perdre la tête à cause de cela. Elle a appelé l'avocat, tout le monde, mais ils insistent que ce sont les instructions de mon défunt mari. Que pouvons-nous faire? Nous devons respecter la volonté des morts. Alors voilà, nous attendons toujours, mais si quelque chose se présente sur les funérailles et tout, je te mettrai au courant, mon oncle. C'est bon. Voyons voir comment tout va se passer, d'accord? Okay. C'est bon. D'accord, prends soin de toi et fais très attention. Surtout, ne stresse pas trop. Sache que tu portes un don là-dedans. D'accord. Sois très prudente, ma fille. D'accord. C'est compris. Alors, tu dois partir maintenant. C'est d'accord. Allez, prends soin de toi, ok? Ok. Ça va aller. J'ai convoqué cette réunion parce que ça fait plus d'un mois à peu près que j'ai perdu mon fils bien-aimé. Docteur Jeff. Oui, madame. C'est à vous que j'adresse cette question. Très bien. Comme je l'ai dit maintenant, ça fait plus d'un mois que j'ai perdu mon fils bien-aimé dans votre hôpital. Et vous n'avez rien dit par rapport. Vous n'avez également rien dit à un membre de cette famille. Alors, je vous le demande encore. Qu'est-ce que vous attendez pour libérer le corps de mon fils? Je vous écoute. En fait, madame, ce n'est pas comme si nous ne planifions pas. Docteur Jeff, excuse-moi. Avec tout le respect que j'ai envers vous, en tant que médecin, voici ce que vous m'avez dit la semaine passée. Il y a de cela 2 semaines, plus d'un mois aujourd'hui, vous répétez la même chose. J'aimerais vous faire savoir, vous et votre ami l'avocat, si tous les deux, vous ne venez pas avec quelque chose qui a un sens la semaine prochaine, vous ne me laisserez aucun choix que de faire quelque chose de moi-même. Exactement. Madame. Je t'écoute. Nous ne faisons qu'appliquer les dernières recommandations de votre fils. Bien sûr. De quelles instructions êtes-vous en train de parler? Pour l'amour de Dieu, cet homme est mort. Pour toujours. Pourquoi ne le laissez-vous pas reposer en paix? Est-ce que c'est trop demandé? Je ne sais quoi dire. Je veux juste le corps de mon fils. Vous m'avez dit que mon fils est mort. Et vous possédez toujours son corps. Mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas vu le corps de mon fils. Et vous racontez des histoires. Une semaine, j'ai dit. Sinon, je ferai quelque chose. Je vais te laisser où? Ah, tu sais que je n'aime pas être en retard. Tu le sais très bien. Jésus! Hein? Jeff! Hé! Hey!
me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas, s'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée, je vais te confesser. Hé! Hey! Hé! Hey! S'il te plaît, ne le fais pas. Où est ma femme? Maman, tu ne connaîtras jamais un chien méchant. Jusqu'à ce que tu rencontres celui qui est affamé. Tu vois toutes ces choses qui viennent d'arriver? Tout a été planifié. C'était un jeu pour savoir ce que mon foyer allait devenir quand je ne serai plus là. Et voici ce que je reçois. Alors, si j'étais vraiment mort, alors, voici ce que je vais recevoir. C'est ça? Non. Détends-toi. Tu viens tout juste de reprendre conscience, ok? Attends. Ah, très bien. C'est vraiment un miracle que tu sois ici. D'accord? Ça va aller. Détends-toi. Où suis-je? Tu es à l'hôpital, bien sûr. Détends-toi. Ça, ce n'est pas un problème. Tu devrais te détendre et je suis sûr que tu iras bien. Docteur Jeff. Ouais. S'il te plaît. Quelle est vraiment la cause de ma maladie? Ouais. En fait, ta nourriture était empoisonnée. Oui, c'est la vérité. Honnêtement parlant, ta nourriture a été empoisonnée. Mais tu as eu de la chance qu'on t'ait amené à temps à l'hôpital. Sinon, le poison allait atteindre ton foie et attaquer aussi tes autres organes. Ouais. Empoisonné? Tu as dit que ma nourriture est empoisonnée? Ta nourriture a été empoisonnée. C'est bon, je t'ai dit de te détendre. Détends-toi. Arrête de te déranger. Qui
Qui veut ma mort? La seule chose à laquelle je peux me rappeler était... Je n'ai que mangé la nourriture que ma femme mangeait. Attends, attends. Tu veux dire que la nourriture que tu as mangée était pour ta femme? Oui. Quoi? Oui, c'est bizarre. C'est la seule chose dont je me rappelle. Qui voudrait que je meure? Alors là... doucement, doucement. Tu as besoin de... C'est bon, vas-y, doucement, doucement. Hein? Vas-y, doucement. Docteur. Oui? Je veux que tu me fasses une faveur. Ok. S'il te plaît. Je veux que tu répondes à la nouvelle de ma mort. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Tu réalises ce que tu me demandes de faire là? C'est contre mon éthique. Et cela pourrait me coûter ma carrière médicale. Allons, sois un peu raisonnable à la fin. S'il te plaît. Je veux vraiment que tu fasses ça pour moi. Je veux savoir qui veut ma mort. S'il te plaît. Aide-moi à réaliser mon plan. Je t'en supplie. Tu sais, c'est un gros risque. Mais bon, n'importe quoi pour toi, je ferai n'importe quoi pour toi. Écoute, tu peux compter sur moi. Mais d'abord, repose-toi et par la suite, tu te sentiras mieux. D'accord? Oui, ma femme. Repose-toi pour le moment et oublie d'abord ta femme. Allez, repose-toi. Excuse-moi. Alors, Franck, c'est quoi ton prochain plan? Docteur. Oui. J'ai tout arrangé. D'accord. S'il te plaît, je voudrais que tu invites mon avocat chez toi. Chez moi? Pourquoi? Docteur, ta maison est sûre. Et aussi, mon secret sera en sécurité. Je veux parler de quelque chose d'important avec lui. S'il te plaît, docteur. Ne dis pas non. Ok, c'est bon, c'est bon. D'accord, c'est bon. Compte sur moi. D'accord? Ok, merci. Dieu soit loué. Dieu merci que tu... Dieu merci. Je ressens toujours quelques douleurs. Ne t'en fais pas, c'est un processus graduel. Récupérer n'est pas aussi facile comme s'il s'agissait d'appuyer sur une télécommande. C'est progressif, ne t'en fais pas. Tu te sentiras à nouveau bien. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Que se passe-t-il ici? Vous nous avez dit que Franck est mort. Oui, maître. Tout a été planifié. En fait, j'ai dit au docteur ici de répandre la nouvelle de ma mort. Parce que j'ai été empoisonné de nourriture. Seigneur Jésus! C'est la vérité. Empoisonné? Docteur Jeff? Oui? Vous prenez le risque d'un travail de toute une vie. Cela pourrait vous coûter votre licence. Je n'en doute pas, je le sais. Je le sais. Maintenant, l'on doit aux affaires. Maître, je veux que tu écrives mon testament. Oui. Je veux que tu prépares tous les documents nécessaires. J'enverrai toutes les informations requises pour mettre en œuvre ce plan. Une fois que tu auras terminé avec cela, s'il te plaît, fais-moi savoir. Et après cela, je vous dirai à tous les deux quoi faire. C'est bon. Je ferai exactement ce que tu as demandé. Et avant que je n'oublie, monsieur, que ceci reste un secret entre nous trois, vous le comprenez? Bouche fermée, s'il vous plaît. Merde. Donc, alors, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Non. Vous en êtes vraiment non, sûr? Merci, mais bon. Sentez-vous libre. Je suis un médecin généraliste. Oui, je vais bien, merci. Le docteur fera un transfert de 200 000 naira dans ton compte. S'il te plaît, je veux que tu les donnes à ma femme. Pourquoi? Dis-lui tout ce que tu veux.
Ok? D'accord. Et une chose importante, s'il te plaît. Je veux que tu ailles dans mon bureau. Retrouve mon informaticien Chola. Obtiens-moi les images de la caméra de surveillance de ma maison. Du 24 juillet à ce jour. Dans ton bureau? Exactement. Très bien. Je ferai comme tu as dit. J'attends de tes nouvelles. Très bien. Je dois y aller. C'était toi pendant tout ce temps. Pas étonnant que ce gars ait dit qu'il voulait rester seul ce soir-là. Maman, regarde-moi. Qui a empoisonné la nourriture de ma femme? Qui a empoisonné sa nourriture? Parce que la nourriture que ma femme était censée manger, je l'ai mangée par coïncidence. Je m'adresse à toi. Qui veut ma mort dans cette maison? Qui? Je suis désolée. Je suis désolée, mon fils. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Le fer. Ouais, bébé, je suis de retour. Oh, mon Dieu, je suis vraiment épuisé. Vous voyez pourquoi j'aime ma femme, hein? Elle est toujours à l'heure. Elle savait que j'allais rentrer à cette heure et elle a fait mon repas. Bébé, je vais t'aimer pour toujours. Oh, j'ai vraiment hâte. Bébé? Bébé! J'espère qu'elle va venir. Ok. Maman? Ok. Délicieux. Exactement comme j'aime. Bébé! Mon Dieu. Mon amour, je t'appelais. Alors? Me voici. Tu manges déjà? Bébé, je n'ai pas pu t'attendre. J'aime beaucoup ce plat. C'est mon préféré. Mm-hmm. C'était censé être mon plat. Tu veux te joindre? Ne t'en fais pas, mange. D'accord. Mange. Alors, comment était c'est le boulot? C'est puissant. Oh. Tellement puissant. Désolé. Pendant l'eau. Désolé. De l'eau. Oui. J'avale juste cette nourriture. Ok. Désolée, bois de l'eau. Non. Arrête de parler en mangeant. Tu vas t'étouffer. Allez, tiens. Bébé, bois de l'eau. Quoi? Bébé, bois de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Maman!
Grace! Bébé, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Mon fils, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Maman. Mon Dieu, papa, as-tu mangé cette nourriture? Maman, c'est la nourriture que je voulais manger. C'est ma nourriture. Maman, qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Rien du tout. Pourquoi la chérie est bien tombée? Mon fils, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Maman! Fais attention! Espèce de sorcière! Je ne veux pas perdre mon mari! Amenez-le de ce côté! Dépêchez-vous! Docteur! C'est bon, calmez-vous! Du calme, nous allons nous occuper de lui. Pendant ce temps, vous restez ici. Mon et attendez, calmez-vous! Docteur, s'il vous plaît, dites-moi ce qui arrive à mon mari! Lui, okay? Non, attendez par ici! Nous, on s'occupe de lui, d'accord? Je reviens! Ne me touche pas! Toi, assieds-toi là. Assieds-toi là. J'ai dit assieds-toi là. N'importe quoi. On saura ce qui va se passer. Que j'essaye de chercher mon fils sans toutefois le trouver. Je te donnerai une leçon dont tu te souviendras pendant toute ta vie. Pourquoi est-ce que vous me dites de ce gamin? En quoi est-ce que cela vous concerne-t-il, hein? Est-ce que vous travaillez avec elle? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Il ira bien, ok? Foutez-le au cadre là. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Ma haine pour ta femme a causé tout ceci. Oui, vous pouvez tous dire que je suis maléfique. Mais ce ne sera pas juste. Mon fils. Regardez tout ça. Mon fils, j'ai réuni tous ces gens juste pour toi. Je me suis tenue où personne ne pouvait se tenir pour toi. Je me suis battue pour te rendre un homme dont la mère pourrait être fière de lui. J'ai travaillé tellement dur pour te donner un homme, une identité que tu as aujourd'hui. Je me suis privée, oh Dieu, je me suis privée de tous les plaisirs de la vie, juste pour m'assurer que tu te tiennes où les autres ne se tiennent pas, mon fils. Je n'avais plus de fils. Tu es venu avec une étrangère. Tu as amené une étrangère dans nos vies. Qui a arraché mon amour, l'amour que tu étais censé me donner, l'attention que j'étais censé recevoir de toi. Elle l'a volée. J'ai essayé de te faire voir de tant de façons, mais tu n'étais pas concentré parce qu'elle profitait de toute ton attention. Le lien que nous avons partagé, le rapprochement, tout ce que nous avons construit ensemble, c'est parti. Une femme comme moi, elle l'a tout pris. Et lorsque tu étais distrait, j'ai voulu l'éliminer. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais l'éliminer. Et comme ça, mon fils devait me revenir. Comme ça, je pourrais t'avoir encore. Et Dieu... Pour te récupérer. Maman, tu es allée trop loin. Le ciel sait que je n'ai jamais influencé la décision de Franck négativement. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi voulais-tu ma mort? Pourquoi? Quoi?
Maman. Comment as-tu pu, maman? Cette dame que tu vois ici est ma fierté et ma joie. Elle m'a soutenue énormément. Je l'aime tellement. Maman, en fait, si tu dois savoir, Nancy est la meilleure chose qui me soit arrivée. Bébé. Mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu ici tout seul? Est-ce que ça va? Ça va. Bébé. Pourquoi ne veux-tu pas donner à maman et à Grace l'argent pour leur entretien mensuel? Je ne sais pas ce qui arrive à Grace. C'est quoi son problème? Cette fille a 28 ans. Ce n'est plus du tout un bébé. Pourquoi elle n'arrête pas de me déranger? Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent maintenant. Je n'ai pas d'argent maintenant. Je vais m'occuper d'elle lorsque j'aurai l'argent que j'attends. Je ne sais pas pourquoi elle dérange tout le quartier à cause d'un simple argent de poche. Alors qu'elle a 28 ans, elle peut avoir de l'argent n'importe où. Bébé, que veux-tu qu'elle fasse? Veux-tu qu'elle aille dehors et commencer à forniquer avec ses gars pour avoir de l'argent, alors que son frère est capable de lui donner cette somme? Bébé, nous savons que cet argent est la cause de beaucoup de problèmes. Alors pourquoi ne veux-tu pas donner? Qu'est-ce qui t'en empêche? Bébé. Est-ce que je peux être honnête avec toi? Bien sûr. En fait, j'ai quelques difficultés. Oui, j'ai investi tout l'argent de l'affaire familiale. Je l'ai injecté dans une nouvelle affaire que je viens de commencer. Et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu les bénéfices de là. C'est pour ça que je suis frustré. Je n'ai aucun argent dans mon compte. Je suis totalement fauché. Bébé, je suis vraiment désolée. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé pendant tout ce temps? Écoute, tu es ma femme. Et je ne voulais pas te stresser ou te frustrer. Mais... je ne sais pas, je n'ai pas pu le garder pour moi parce que ma mère veut l'argent et ma sœur aussi. Bébé, tu ne me stresses pas. Nous sommes un. Si tu as des difficultés, je les aurai aussi. J'aimerais que la prochaine fois tu me le dises, ok? Alors, si tel est le cas, je pense que je peux aider. Toi? Je peux. Comment ça? Je pourrais t'apporter un peu d'aide. Eh bien... je gardais l'argent de mon entretien mensuel, mon entretien quotidien et mon entretien hebdomadaire. Ouais, alors, je vais te donner 500 000 naira. Bébé, je ne comprends pas. Tu as de l'argent? Mais qui t'a donné l'argent? Qui te soutient? Est-ce que tu sais à qui je suis mariée? Toi, tu as été... tout l'argent que tu me donnais. Bébé, va acheter ça. Va t'acheter ça. Oh, j'aime cette chose, Gucci. Oh, j'aime ça. J'ai épargné de l'argent. J'ai épargné pour des moments comme ça. Mais tu dois toujours garder cet argent. Peut-être tu aurais besoin de... tu sais quoi? Je vais te transférer cet argent maintenant. De combien parlons-nous? Exactement combien? Ok. Je vais envoyer. Je vais te transférer 500 000 naira maintenant. Comme ça, tu pourras donner à maman 200 000 et 100 000 à Grace. Et 200 000 pour toi. Je sais que cette somme est petite, mais tu pourras au moins te débrouiller avec. Incroyable. Je l'envoie à la First Bank ou... combien de banques connais-tu? Quoi? Toutes! Ok, laisse-moi le faire. Ok, First Bank. Ok. C'est le... t'en fais pas, je l'ai. 78-86. J'ai dit que je l'ai. C'est pas ça ton numéro de compte? D'accord. Ok, je vais t'envoyer 100... quoi? Bébé. Voilà, c'est ça. Ok, ouais. Alors, je vais juste faire ça. Tu es sérieuse? Oui. Alors, combien as-tu dans ton compte? Hey! Alors, voilà. Quoi? Alors, bébé, comment as-tu réuni les informations après avoir vu la caméra de surveillance?
Voilà où l'intelligence entre en jeu. Ce jour, Maître est venu dans cette maison. Nancy, je sais que ton anniversaire de mariage était censé être ce week-end, avant la mort soudaine de ton mari. Mais je suis ici pour te montrer un peu de gentillesse en tant qu'ami de la famille. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Tiens, prends ceci. Règle 2-3 trucs avec, prends soin de toi. Tu es... Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Merci beaucoup. J'apprécie sincèrement. Vous dites que je garde ça pour moi? C'est exact. Merci. Je t'en prie. Puisse Dieu toujours vous bénir. Amen. Que vous ne connaissiez jamais la honte dans votre vie. Alors, maître, comment ça s'est passé? Aucune raison de s'inquiéter. J'ai suivi tes instructions à la lettre. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Je t'en prie. Au fait, je vais t'appeler la prochaine fois que j'aurai besoin de tes services. Il n'y a pas de souci. Je suis à ton service, c'est comme tu veux. Merci. Je t'en prie. Sois prudent au volant. Je suis frustré. Je suis confus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Après avoir vu les vidéos de la caméra de surveillance, je veux dire, je ne sais pas comment le comprendre. Je ne sais pas quoi faire de ça. Pourquoi ma mère est si méchante? Pourquoi est-elle si cruelle? Pourquoi diable m'a-t-elle ma femme? Mais pourquoi? Franck, tu ferais mieux de te calmer. Tu as commencé tout ceci et tu le comprends bien. Donc, qu'est-ce que tu veux bien faire? J'en ai marre de tout ça. Ma femme souffre là-bas. C'est un bon pas. Alors comment comptes-tu le faire? Je pense qu'il est temps pour moi d'y aller. De me dévoiler et de montrer que je suis vivant. Je suis fatigué de ce jeu de cache-cache. Je veux dire, le processus, comment vas-tu t'y prendre? Première chose, demain matin, je vais rentrer à la maison. Je vais aller chez moi. Première chose, le matin, tu vas aller chez toi. Parfait. C'est d'accord. C'est bon, il n'y a pas de souci. Fais comme tu as dit. Alors fais comme tu as dit, première des choses, demain matin. Demain matin. Docteur. Le téléphone sonnait. C'est Grace. Grace, ta sœur. Oui, ma sœur Grace. Docteur. Ouais. Elle t'appelle toujours et tu ne décroches pas. Je ne veux pas qu'elle nous distrait pendant qu'on parle. Non, tu peux décrocher. Dans ma home. Une discussion dans ma home. Et je ne veux aucune interférence. Docteur, écoute, pour être franc, tu vois, y a-t-il quelque chose qui se passe entre ma sœur et toi que tu ne me dis pas? Franck, il n'y a absolument rien entre ta sœur et moi. D'ailleurs, je suis médecin. Écoute, d'autant plus que j'ai quelque chose à voir avec toi, je l'ai aussi avec elle et ce n'est pas un problème. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que tu devrais te sentir libre avec moi. Je veux dire, tu es célibataire, ok? Alors, si tu as quelque chose à voir avec ma sœur, pourquoi pas, ouvre-toi et mets-moi juste au courant. Tu peux te confier à moi et je te dirai ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Écoute, bien que je traite une affaire avec toi, cela ne veut pas dire que j'ai quelque chose à voir avec ta sœur, je veux dire. Je la prends comme ma petite sœur, comme quelqu'un de mon sang, alors nous sommes absolument loin de là et j'en suis sûr. Décroche. Je ne veux pas lui parler. Allez, laisse tomber. C'est confidentiel. Je suis médecin. Je suis médecin et je sais très bien ce que je fais. Alors, laisse tomber, s'il te plaît. Tu vois, vous êtes toutes les deux un exemple parfait d'une mauvaise belle-mère.
et une mauvaise belle-sœur. Je veux dire, comment avez-vous pu? Donc, si j'étais vraiment mort et tout, c'est comme ça que vous alliez diriger cette famille en maltraitant ma femme. Est-ce que c'est juste? Hein? Dites-moi. Grâce, je parle à toi en particulier. Demain, tu deviendras la femme de quelqu'un. Tu auras un enfant. Comment te sentiras-tu quand tu seras maltraité par ta soi-disant belle-mère et ta soi-disant belle-sœur? Comment te sentiras-tu? Écoute, un traité pour un rendu. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait traverser. Le ciel et la terre ne me pardonneront pas si je manque de te demander pardon. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis tellement désolée. Ma fille, s'il te plaît. Pardonne-moi, ma fille. Non. Maman. Bico, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Arrête. Maman, lève-toi, s'il te plaît. C'est pour maman. Je t'ai blessée. J'ai menti contre toi. Je t'ai détesté pour aucune raison. Pardonne-moi, ma fille. Je suis vraiment désolée. Excuse-moi, ma fille. Je crois que ça suffit. Non, maman, s'il te plaît, lève-toi. Je voulais te tuer. Maman, je t'ai déjà pardonné. Pardonne-moi, ma fille. Maman, je t'ai pardonné. Pardonne ta mère. C'est bon, s'il te plaît, maman. Je t'ai pardonné. Pardonne ta mère, mon fils, je suis désolée. C'est bon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Maman, c'est bon. J'ai vraiment c'est bon, maman. C'est bon. Pardonnez-moi. Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi. C'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant. Je suis vraiment désolée, mes deux enfants. Je suis désolée, pardonnez-moi. C'est bon. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ça va. Mon fils, pardonnez votre mère. Pardonnez votre mère. Pardonnez. Aïe, mon cœur. C'est une journée pénible d'être à nouveau avec toi, ma merveilleuse femme. Tu m'as manqué aussi, bébé. Bébé? Oui, mon amour. J'ai une nouvelle pour toi. Je dirais une bonne. Une bonne nouvelle? Mm-hmm. Ok. Qu'est-ce que c'est? Eh bien... J'ai ce qui t'appartient. Tu as ce qui m'appartient? Bébé, tu devrais savoir que tout ce que j'ai est aussi à toi. Ouais, c'est vrai. Mais cette... Ok, je vais être claire. Ouais. Bébé, je porte ton enfant. C'est un mensonge. Tu es enceinte? Mm-hmm. Hey! Bébé! Attends, écoute, ne blague pas avec moi. Tu es enceinte? Bébé, je ne suis pas en train de blaguer. Je suis enceinte. Tu es sérieuse? Mon enfant. Tu es enceinte? Donc, bientôt, je serai père. Mm-hmm. Waouh! Bébé, tu es enceinte? Dieu, ça, c'est la meilleure nouvelle de toute ma vie. C'est la meilleure. Bébé, écoute, je sais que tu es une blagueuse. Tu blagues beaucoup. Maintenant, dis-moi la vérité. Tu es enceinte? Bébé. Je porte notre enfant. Oh, je t'aime. Je t'aime.
Ce gars est vraiment idiot. Quand il va au village, il n'arrive pas. Coucou, grand frère. Ma chérie. Comment vas-tu? Comment je vais bien. Je pense que c'est le moment. Le bébé. Désolée. Je sais que tu seras bien. Amène-le là à l'hôpital. Ok, ok. Où est la clé? À l'intérieur. Allons à l'hôpital, tout ira très bien. Désolée. C'est bon. Tiens, bon. Désolée, bébé. Mais où est le sac du bébé, Grace? Où est le sac? C'est dans sa chambre, elle a déjà prêté à porte. Oh mon Dieu. Apporte le sac. Tiens, maman. Ok. Tu es une fille brave. Excuse-moi, docteur! Infirmière, venez! Allez, viens. Maman! Vas-y, arrête ses mains. Allez, fais attention. T'inquiète pas, ça va. Je vais aller. Bouger! Doucement, hein? Docteur! Mes jambes, ne bouge plus. Désolé. Je tiens bien. Arrête mes hanches. Allez. Je le fais. Désolée. Respire encore. Vas-y, expire et inspire. Docteur! Je pense que je fais mieux. Docteur! Doucement, mon cœur. Mais où est ce docteur, non? Infirmière! Maman! Et où sont ces gens? Allez, vas-y, pousse, s'il te plaît. Allez, pousse. Je suis fatiguée. Oh, c'est bien, vas-y, pousse. Je peux voir la tête du bébé. C'est bon, c'est très bien. Je peux voir la tête du bébé. Allez, vas-y, pousse plus fort. J'aperçois la tête du bébé. Pousse de toutes tes forces. Allez, vas-y, le bébé est en train de sortir. Il arrive. Pousse. Allez, pousse pour une dernière fois. Je t'en prie, fais-le pour ton bébé. Oh! Nous avons un bon bébé. Félicitations. Toutes mes félicitations. Je ne les entends plus. C'est ok, calme-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons bientôt recevoir. Amen. Maman, est-ce que tu peux appeler à l'intérieur? Non. Très bientôt, nous allons recevoir la nouvelle. Comment est-ce que ça se passe? Tout ira bien. Calmez-vous. Tout va bien. Merci. Quand est-ce que je vais voir ma femme? S'il vous plaît, calmez-vous. Femme, quel est ton problème? Nous parlons là de deux vies. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. S'il vous plaît, infirmière. Infirmière. Ah. Infirmière. Mais comment va-t-elle? Faut prier. Prie pour que tout se passe bien. Prie. Maman, calme-toi. Tu es sur le point de devenir un homme. Félicitations. Oh! Hey! Oh, tu es maintenant un père. Oh, hey! Oh, Guinée! Ta femme vient de mettre au monde un beau petit garçon. Hey! Je suis grand-mère. Je suis. Docteur, vous êtes sérieux? Ouais. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Allez, elle est là. Je peux la voir? Merci, Seigneur. Mon Dieu, merci. C'est quoi le problème? Pourquoi tu voulais me voir? Bébé.
Je veux que tu me promettes que tu ne seras pas en colère à cause de ce que je vais te dire. Promets-le-moi. Je te le promets. Qu'est-ce que c'est? Bébé, je suis désolé pour mon mensonge. Je t'ai menti. Désolé pour les promesses, les entreprises, les écoles, les affaires. Tout ça, c'est un mensonge. Tu es une bonne femme. Tu ne mérites pas ça. Et j'ai commencé à t'aimer. S'il te plaît, pardonne-moi. Désolé. Je suis désolé. Jerry, je te pardonne. T'es sérieuse? Je te pardonne. Tu te souviens que je t'ai promis que je n'allais pas merci, me mettre bébé. En colère. Ouais. Alors je te pardonne. Mais tu vois, tout ceci n'existait plus avant que tu ne viennes ici. T'as compris? Bébé. Pas la peine, Diri, c'est terminé. Tu vois ça? C'est terminé. C'est terminé. J'étais au courant de tout ça. Et oui, je le savais. La relation entre Blessing et toi. J'étais au courant de l'entreprise, du mensonge. J'étais au courant d'absolument tout. Et je ne vais pas seulement te quitter, toi. Je vais sortir de ta vie. Ne fais pas ça. Je vais sortir de ton amour et de tous tes mensonges. À partir de ce moment précis, je ne veux plus jamais te voir aussi près de moi. Je vais me marier au docteur Jeff. Oui. Alors tu vois, tes excuses arrivent trop tard. Bébé, je t'en prie. Je ne veux plus jamais te voir près de moi. Je t'ai dit que je suis désolée. Excuse-moi. Ne fais pas ça. Je m'en vais d'ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée. J'oubliais. Dis à Blessing que je lui souhaite un bon accouchement. T'es au courant? Bien sûr que oui. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Bébé, s'il te plaît. Excuse-moi. S'il te plaît. Pardon. S'il te plaît. Bébé. Bébé. S'il te plaît, pardonne-moi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.